instant. Nous allons là en bas. 3-6. Tatusita. Comme Sarah. Sawa Sarah. Qui obéissait à Abraham. Aliye kwa kiti Abraham. Et l'appelait son Seigneur. Nakumuita Bwana wake. Mwami. Son Seigneur. Bwana, mimi napenda useme mwami. Je veux que tu dises. Sema Bwana, watu wanaanza kusema ni Bwana yake, Bwana yake. Bwana yake watu banisha izoba na kuikamata tu terme ordinaire. Bwana yangu bwana. Mwami. Mwami, les gens ont déjà parlé comme terme ordinaire. Eti mtawala wangu. Mtawala. Mwami. Le Seigneur. Chef. Le chef. Patron. Bwana kiongozi. Exercice ya kwanza. Zoezi la kwanza. Mwenu unaitaka bwana yako nani? Lâchez-vous, tu appelles ton mari comment? Mule mwenu unaitana kaye? Lâchez-vous, vous vous appelez comment? Exercice moya. Le premier exercice. Kuko mwenye anaitaka bwana yako? Jean. Il y a celle qui appelle son mari. Yohana, c'est un exemple. Si Yohana est ici, qui ne pense pas que c'est lui qu'on est en train de dire. Timothée. Timothée. On te cherche ici. Angalia chini usinione. Regarde. Kama vile njoo naitaka bwana yako. Si c'est comme ça que tu appelles ton mari. Angalia chini sai. Tu peux regarder par terre. Haustahili kuitwa meme mkristo kazi. Tu ne mérites même pas d'être appelée chrétienne. Amen. Amen. Amina. Mule mwenu namuitaka nani? Lâchez-vous, tu l'appelles comment? Ni vizuri kumuita baba fulani. C'est mieux de l'appeler papa tel. Lakini. Mais quand tu l'appelles papa de terre, c'est bien parce que nous nous étions habitués à cela. Mais quand vous êtes maintenant vous deux, tu l'appelles comment dans la chambre? Amen. 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 Dans un bon foyer, les gens ont des noms superlatifs. Donc celui tu peux appeler l'autre même si vous êtes ensemble. Et peut-être les enfants ne connaissent pas cela. Mais dans la chambre vous vous appelez ainsi. Et celui dont l'un est content de l'autre. Comment vous vous appelez chez vous? Je regarde ma femme en train de rire. Je risque de lui donner le micro pour qu'elle vous dise comment est-ce que je l'appelle. Il y a des noms que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Kajina. Un petit nom là. Dont chacun appelle l'autre pour lui montrer qu'il est content de lui, qu'il est heureux de lui. Amen. Amen. Yeye akakuwa namuita mwami. Sarah lui elle appela Abraham Seigneur. Hakuna siku ungekutana Sara iko naambia bwana yake aseme Abraham uko wapi? Il y a 15 jours tu pouvais rencontrer Sarah en train de dire à son mari Abraham où es-tu? Na balikuwa ba patron. Pourtant ils étaient des patrons. Franga na mavuno. Ils avaient de l'argent, ils avaient la moisson. Ngombe na mambuzi. Ils avaient des bœufs et des boucs. Sara nafika kubatu. Et quand il arrive devant les gens, hamkona kwenye mwami wangu alipita. Est-ce que vous n'avez pas vu où est passé mon Seigneur? Bwana mwangalia. On la regarde. Oh mama naye. Ah cette maman aussi. Mwami mon Seigneur. Maintenant nous on va appeler papa comme. Maintenant elle déjà l'appelait Seigneur. Dites à mon Seigneur. Dites à mon Seigneur. Qu'ici il y a les gens qui les cherchent. Seme. Papa. Et baba. Maman a sema. Maman dit. Qu'il y a les gens qui te cherchent. Mais elle a utilisé le nom Seigneur. Peu importe le nom que les autres vont utiliser pour l'appeler. Mais chez lui, il est appelé Seigneur. Amen, amen. Amen. Amina. Amen. Ok. Les filles sont en train de dire moi aussi si je le trouve je vais l'appeler comme ça. Tu ne peux pas l'appeler Seigneur si tu n'es pas prête à l'obéir. Dès que tu n'es pas prête d'écouter ce qu'il te dira. Seigneur veut dire celui qui domine sur toi. Alléluia. Ça veut dire quand il parle toi tu exécutes. Pas celui avec vous, vous fixez le regard. Il parle toi aussi tu réponds. Il parle toi aussi tu parles. Et puis tu frappes la porte et tu vas dehors. Et tu vas t'asseoir dehors. Et il cherche où est partie votre maman. Tu es déjà parti chez les voisins. Ah, dis-lui que je n'ai plus à parler avec lui. Et si tu avais mis de l'eau de la pâte, les enfants passent la journée sans manger.
Parce que tu as tonné. Les maris commencent à dire aux enfants, cherchez de l'eau. Prenez le sucre chez les voisins. Mangez le pain et dormez. Aujourd'hui, votre maman est fâchée. Aujourd'hui, vous n'allez pas manger. Maman a la colère. Et puis les garçons qui sont dans la maison, ils commencent à regarder. Seigneur, aide-moi que je ne puisse pas trouver une femme comme celle-ci. La fille qui est à la maison, si c'est un papa compliqué, elle commence à prier. Seigneur de Nazareth, Jésus le Dieu du ciel, au lieu que je sois marié par un homme comme mon papa, mieux vaut que je meure célibataire. Alléluia. Amen. Vous devez vivre votre foyer de la manière dont les jeunes gens qui vivent avec vous devraient avoir le désir de trouver les femmes comme la maman. Et la femme, la fille là où elle est. Qu'elle prie Dieu pour qu'il lui donne une personne qui a le caractère comme celui de son père. Amen. 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 Est-ce que là de l'autre côté vous m'entendez très bien? Là derrière vous m'écoutez? Okay. C'est la paix là-bas? Est-ce que ici c'est bien? De l'autre côté ça va? Que Dieu vous bénisse. Amen. On m'a dit la fois passée, c'est comme si tu dis seulement à ceux qui sont devant toi. Tu regardes seulement là-bas et tu penses que là, nous qui sommes là derrière, nous sommes pas. Souviens-toi aussi de nous. Ah, oui. Je vais corriger.